Hey les amis, j'espère que vous avez en tout cas, moi ça va être reparti ici pour un nouvel épisode de Timberborn mode hardcore, je tiens à préciser, auquel c'était très très dur, on a failli perdre l'épisode précédent, hein, on était tombé à plus ou moins à 12 castors. On est maintenant ici à 250 castors, on essaie de tout réouvrir, voilà. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner que ce soit sur YouTube ou en description, il y a le lien sur différentes plateformes comme Twitch, Discord, etc. D'ailleurs, je le mets sur le chat. Voilà. Allez, on est parti ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, vous voyez, on a... attendez, j'ai changé de scène quand même. Et... ouais. Et d'abord... voilà. Je me perds. Voilà. On éteint les tourbilol. Hop, on change de scène. Impeccable. Alors, comme vous voyez ici, bah, tout est fermé ici. Je l'ai fait exprès. Hein. Voilà, on a tout fermé. Ici, on a réouvert. J'ai pas demandé plus de travail, en tout cas, pour nos travailleurs. Hein. Ici, ouais, on avait demandé ici pour que ça pompe axe. J'ai juste demandé ici pour qu'il fasse l'escalier. Voilà. Donc ça, on avait ouvert aussi, je crois, c'était un bûcheron. Ici, il est en train de replanter. Ici, c'était le moulin à blé. Voilà, on est en train de rouvrir ça. Ici aussi, on est en train de réouvrir aussi tout ce qui était station de pompe axe. Donc, on a 21 000 d'eau et 4 900 de nourriture. C'est ce qui est un peu plus du mal. Allez, on y va. Donc, on a aussi 24,4 jours. Alors, on met en vitesse max. Alors, ici, je ne sais pas si je vais le détruire, toutes ces habitations qui sont au-dessus. J'ai envie de les détruire. Alors, c'était bien beau, hein, ce que j'ai fait ici par rapport aux escaliers. Mais j'ai envie d'en détruire parce que je pense pas qu'ici on aura beaucoup de plus de population. Dans le sens que voilà, je vais pas qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Après, on est au centre un petit peu de cela et d'ici peut-être aussi. Mais bon, voilà, on verra. Ici, on a encore un escalier ici qui est en construction et qui est passable maintenant, impeccable. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, ici, on avait demandé une priorité forte ici hein, pour que ça se fasse. Après, par rapport à l'eau, bah, on est très très bien par rapport à l'eau. Hein. Ça, il n'y a pas de... on est très bien. Par rapport à ici, alors, qu'est-ce que moi j'ai pensé l'autre fois? C'est que ici, en fait, on va laisser cette zone. Ce sera une zone tampon. Une zone tampon où il y aura, ben voilà, la plupart de pompax au plus bas. Donc, on va attendre voilà, de tout faire péter. Mais voilà, pour le moment, on va les laisser faire. On n'a pas beaucoup de travailleurs hein, encore hein, qui sont donc ici. On va déjà voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Bon, lui, il dort. Oh, réveille-toi, là! Bon. Il veut pas se réveiller, hein. Il veut pas. Ouais, mais pourquoi il a travaillé autant? Est-ce qu'il a été à loin ou quoi? Je sais pas. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend rien pour le moment. On va le suivre un petit peu. Ah, est-ce qu'ils vont mettre la TNT? Ouais, ils sont en train de mettre, voilà. Donc on va les laisser faire parce qu'ils sont surchargés, hein, vraiment surchargés. À savoir qu'en plus, bah, ils sont pas énormes. Hein, donc on a ouvert ici aussi. Voilà, ouais, ils vont faire ici les escaliers. On les voit en train d'être fait. Voilà, c'est fait. Il ne manque plus que celui-ci. Celui-là qui a été fait par le bas, je pense. Ici, ce sont de pompax hein, qui va permettre de pompaxer bah, cette eau en fait, hein, gratuitement. Est-ce que je pourrais faire aussi, les amis? Ah ouais, mais j'ai été un peu... j'ai fait un truc ici qui n'était pas très intelligent, en fait. Je vais m'expliquer. On va devoir les refaire, ça. Alors, on va laisser comme ça pour le moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici péter. Comme ça, s'il y a trop d'eau, eh ben, ça va aller là, en fait. Ça sera une petite zone qui va bah, garder l'eau. Au cas où, si ça déborde ici, eh ben, ça ira là. C'est une petite zone tampon, on va dire, hein, qui peut nous aider. Alors, on n'a que 8 lits de disponibles, la nourriture qui augmente, hein, donc ça, c'est chouette. Le blé qui est en train de bien remonter aussi, grâce ici, on a fait un stock ici aussi, hein, qui est bien. Même s'il n'est pas utilisé. On a d'autres stocks, c'est ce que je vois. Alors, je comprends pas, est-ce que ça, c'est bien du blé, ça? Ah non, c'est des carottes, ça. Il est où, le blé? Il est où, le blé? On n'a pas de stock autre ici. Hein. Bon, ça veut dire que... on va devoir faire un stock en plus de blé. Bon. Bon, on va le faire ici. On va détruire ici ce champ. Donc.
Voilà, on a demandé ici que ça s'enlève. Je sais pas si je peux construire ici hein, le temps que ça se fasse. On peut. Et là, on va mettre du blé. Voilà. Parce qu'ils récoltent bien, justement. Parce que comme ils habitent beaucoup plus près, ah bah, ça récolte très très bien. Voilà. Et d'ailleurs, là, on va demander une petite priorité ici. Hein. Ça pompe axe, on le voit. Voilà. Donc ça, c'est top. Alors, est-ce qu'on a des chômeurs? On n'a pas de chômeurs. Je pense qu'on va peut-être réouvrir quelques lits. On va les ouvrir ici. On va ouvrir ici. Bon, on va ouvrir toute cette ligne. Et on peut voir que c'est directement habité. Voilà. Et si je fais ça. Okay. Voilà, on a ouvert ici 37 lits en plus. Ah, ils ont fini avec ça. Bon, on va les laisser comme ça, ils vont pas travailler ici. On va les... C'est bouché. Voilà, c'est bouché. C'est pour ça qu'ils vont pas terminer la suite. C'est très bien. C'est très bien, comme ça. C'est pas le plus urgent. Ce qui est urgent, c'est ici. Hein. Voilà, ils ont fini ici avec la TNT. Donc ça, directement, on fait péter. Voilà, ça fait baisser le niveau. Hein. Et puis c'est le niveau d'eau, donc on le fait. Voilà, impeccable. Et on voit que l'eau, voilà, elle est stockée ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais détruire ici. Et on va reconstruire. Est-ce que je peux détruire ces merdes-là? Parce que ça me fait chier un petit peu. C'est bien, mais bon, on va laisser comme ça. Oh non, pas ça. D'abord TNT. Avec une petite priorité. Hein. Voilà, donc là, ils vont pouvoir retravailler ici et faire la suite. Hein. J'ai un peu dépassé ici à ce que je vois. On va enlever un petit peu aussi. Si c'est ça. Voilà. Voilà. Impeccable. Maintenant, voilà, on peut voir qu'ils vont normalement passer par ici hein, pour pouvoir aller ici. Et déjà, voilà, on peut le voir. Beaucoup plus rapide en fait hein, que faire tout le tour. Et en plus, ils aiment bien voilà, avoir le pelage mouillé. Impeccable. Donc là, on a fait de la nourriture rapide par rapport aux carottes. La TNT là qui avance. Vous voyez, il y a toujours de l'eau ici. Hein. Il y a toujours de l'eau. On va les laisser faire comme ça. Parce que sinon, si je pète, ils n'auront plus accès. Ici, c'est fait aussi. On va laisser aussi. Voilà, on ne va pas toucher. Comme ça, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire. Ici aussi, ils l'ont posé, c'est impeccable. Et on va pouvoir avancer tranquillement. Bon, alors, ça aurait été bien d'augmenter tout ce qui est. Ça aurait été bien d'augmenter tout ce qui est nourriture. Alors, nourriture, on est occupé à le faire ici. Ah, petite sauvegarde. Bon, même pas petite sauvegarde. Bon. On a eu une baisse de je ne sais quoi. Ça aimerait bien que. Voilà, il fasse ici aussi, quoi. Hein. Comme ça, on va faire péter ici. Agrandir tout ça et ici il faudra faire des zones sans tampons aussi. Faire ici bah, tout ce qui est le bois. Donc beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. C'est planté, c'est bien. Mais j'aimerais bien que ça avance ici. Bon, on va laisser faire pour le moment. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Alors, on va y en voir, on va y en voir. Est-ce qu'il va mettre la TNT? Oui. Il met la TNT, hein, ça continue. Et après, je crois qu'il y a encore la TNT. Ah non, il n'y a plus de TNT ici à faire. Il y a juste ici après encore à faire ce petit, la parcelle et la TNT qu'on avait oubliée. Est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini.
On voit qu'il y a quand même de l'eau. Hein. Voilà. On voit que l'eau ne se met pas partout. Et je pense qu'on est vraiment... Voilà, on ne peut pas... plus mettre de la TNT. Et ça, c'est très très bien. Bon, soit. Ici. Alors, on va en mettre 3. Voilà, et on va laisser comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est top, hein. Franchement, c'est top. C'est vraiment top, ça. Hein. C'est vrai que ça, j'aurais pu... je pourrais le détruire aussi, ce truc-là. Hein. Ces pompes à pseudo, là. Tout ça, on l'enlève. Hein. Hop. Hop. Ça, ça dégage aussi. Ouais, j'allais oublier... j'allais oublier celui-là. Et on va... bon, on va terraformer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de TNT. C'est vrai que j'allais dire, bah, tiens, on arrête avec les constructions. Quelque chose qui est vrai. Mais bon, c'est un peu plus fort que moi. J'ai envie de, voilà, de développer un peu plus, plus la nourriture. Hein. Hyper importante aussi. La nourriture augmente. C'est une très très bonne chose. Ici, on a tout ce qui est usine à patates qui est en production. On est très bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien déplacer en fait le champ ici de... Ou alors je demande tout simplement, voilà, qu'ils arrêtent en fait de planter. Hein. On peut demander, voilà, qu'ils arrêtent tout ici en fait, hein, de planter. Comme ça va être planté de l'autre côté. Quoi. Et là on pourra mettre tout ce qui est... une fois que ça sera coupé, on pourra mettre tout ce qui est comment dire, bah, des champs. Hein. C'est vrai qu'on ne voit pas où c'est d'autres. Voilà. Donc, au fur et à mesure, hein, ça sera coupé. On mettra des champs ici. Ça sera top, top, top. Alors, on a 18 enfants. On a 18 enfants. On n'a pas de castors qui ne font rien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Ils travaillent à farm efficace, c'est bien. Et ici, à usine explosive. On produit un petit peu, parce que voilà, on en consomme quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont fermés. Il n'y en a qu'une, hein, qui est ouverte. Hein, donc, voilà. Que ça aussi, hein, va falloir bientôt qu'ils apportent les choses. Bon. En tout cas, voilà, hein, ça bouge, c'est top. Ils ont quand même beaucoup de trucs à faire. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils font. Alors, il fait rien, mais il va où, hein? D'accord, il prend des explosifs. Il va les ramener où, les explosifs? Attendez, parce que... Ah, est-ce qu'ils vont déjà s'en occuper ici? Écoutez, je ne sais pas. C'est bien que de cliquer dessus et de revenir sur lui, en fait. Sauf que c'est pas le... Voilà, on va faire ça. Où est-ce qu'il va? Il dépose ici. Oh, ok. Ils sont en train de faire ça ici. Bon. Ok, donc maintenant, ils vont s'attarder à faire ça. Bon, on va les laisser faire jusqu'au maximum qu'ils peuvent faire. Et puis voilà. Pour le moment, je veux qu'ils se concentrent vraiment sur la survie. Et ça, ce sera après quoi. Il y en a des nouveaux arbres ici, donc ça sera pas pour tout de suite. C'est vrai qu'ici, on a les pissenlits qui sont à fond. Pour le moment, on en a encore, mais. Au moins faire comment dire un truc de médecin, hein, de pas avoir du soin parce qu'on a que 125 des médicaments, voilà, on a 125 de stock, ce qui est pas non plus énorme, hein. C'est vrai qu'ici ils vont faire ça aussi par après. Et là, ah bah oui, ah il est là le bâtiment de blé, les amis, je l'ai trouvé, impeccable. Donc là, c'est bien par rapport au blé, en fait. Hein, donc, ce qui est très, très bien. On pourrait même faire un truc de farine en soi. C'est vrai que pourquoi je ne l'ai pas fait juste à côté, je ne sais pas. Mais on va le faire.
On va le faire, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est bien. Je vous le dis encore, désolé de l'imprévu. Ouais, ça arrive, hein, Ying, hein, ça arrive. Après, voilà. Le moment que tu m'as prévenu, bon, c'était plutôt, c'était un peu mieux, mais voilà, tu m'as prévenu. J'ai attendu et puis voilà. C'est pas de soucis, Ying. Alors, je vais maintenant... c'est pas des fermes, ce sont des boulangeries. Il en fera du pain. Voilà. Je vais les mettre peut-être par ici. Ce qui est très bien. Mais ça arrive, hein, de toute façon, Ying. Hein, puis voilà, parfois, tu peux vraiment dire, voilà, il y a un truc qui m'arrive, ça me téléphone ou quoi, j'ai une urgence. Et voilà, ça peut arriver comme à moi. Donc, c'était compliqué. Je pensais pas qu'il allait rester autant. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Le moment que tout se passe bien de ton côté, c'est le principal. Ah, on a un qui ne fait rien. Bâtiment inondé, ouais, ça, on s'en fout, c'est normal. On va réouvrir. Je pense que ce sont des postes de transport. Après, on en a quand même bien ici. Ou les travailleurs, peut-être. Hein. Alors ici, attendez, je suis en train de regarder un petit peu ce que je peux faire. Le bois, on est bien. Il n'y a toujours rien qui coupe. Qu'est-ce que je peux débloquer? On a même mis un ici, bon. Je peux peut-être débloquer. On va débloquer plusieurs choses. Alors, on va débloquer déjà, c'est la cueillette. Si ça veut. Voilà, et... Bien. Et on va débloquer une pharmacie. Comme ça, c'est fait. C'est important aussi. Alors, c'est quand le prochain stream? Alors, Ying. Le prochain stream. Donc, il y aura... je crois qu'il y aura aussi le week-end. Donc, c'est... il n'y aura juste pas demain. Demain, il n'y aura pas de live. Et demain, je vais au cardiologue. Et jeudi au matin, je vais... Ouais, c'est vrai que jeudi matin. J'ai fort au matin, jeudi. Hein, parce que j'ai mon rendez-vous à 9h et tout. Demain, il faut que je me lève à 8h aussi. Du matin... Je me lève. Je sois au sport à 8h. En salle de sport. Et puis j'ai mon rendez-vous à 11h quelque chose. Ça sera jeudi, je pense. Ou alors jeudi, je vais peut-être prendre ma journée pour me reposer. Non, pas jeudi. Pas de souci. Mais jeudi, je sais pas en fait. J'ai peur d'être fatigué. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me suis reposé à peut-être 5h. Aussi. Je me suis levé très très tôt. Et ouais, je me suis reposé après environ 5h. Je sais pas si je vais prendre ma journée ou pas. Et maintenant, vendredi... Alors, vendredi, il faudra que je te précise si c'est vendredi ou pas, dans le sens que... pour être sûr, en fait. Dans le sens que... je sais pas si c'est le matin ou l'après-midi. Alors, après, si c'est le matin, c'est à partir de... Ça, ça va pas aimer, en fait. Ça sera à partir de midi, on va dire. Je crois que ça va te piquer, quoi. Midi ou une heure, quoi, jusque vendredi, pas dispo, ni samedi. Ouais. Ouais, mais jeudi... J'ai envie de dire oui, quoi, mais jeudi, toi, ça aurait été même chose, quoi. Ça serait à partir de soit midi ou 1h jusqu'à 3h, maximum. À pas dépasser, quoi. Donc, ouais, je sais pas si tu es vraiment tôt du matin, enfin, de l'après-midi comme ça, toi. Je sais pas. Ce serait nickel vers midi, 1h jusqu'à 15h. Gros maximum, on va dire même... 14h30. 14h30. Voilà. Mais je pense que ouais, ça peut être possible. En tout cas, voilà, je serais peut-être pas très bien réveillé. Mais bon, on tient ça pour jeudi. Tu serais bien envoyé sur Discord, s'il te plaît, pour pas que j'oublie comme ça. On m'envoie un petit message. Voilà, tu m'envoies juste l'heure, en fait. Hein, comme ça, voilà. Et le jour. Comme ça, j'essaierai de pas oublier. Si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire nos travailleurs? Donc, on irait sur Sunken Land, hein, du coup, hein, si ça te va. Ils sont full ici en train de poser la TNT.
Nickel, nickel, ok. Impec. On fait comme ça alors. Après, voilà, si je me sens vraiment fort fatigué, ben, je te le dirai. Hein, je te le dirai vraiment le plus tôt possible. Mais normalement, on va tenir, quoi. Voilà. Voyons voir. T'inquiète, là, As... Hein? La Asnet. La santé. Ah, on... Ouais, bah ouais. Non, mais je verrai déjà voir un petit peu ce qu'il me dit, quoi. Parce que là, bon, pour le moment, je prends un médicament pour calmer la tension. Toi, c'est... ça, c'est bon. Ouais, pour donner un petit peu les nouvelles. Donc ça, c'est... Plus... On va dire que c'est bon. Mais voilà, j'ai toujours trop de pulsations. Parce que, gars, je regardais ici sur ma montre, exemple. Bah, je suis à 90 de pulsations, quoi. Alors que je suis assis. Je suis assis, quoi. Donc, bon, normalement, on doit être dans les 60, 70, quelque chose comme ça, quoi. J'ai toujours trop de pulsations, donc ça carbure, quoi. Pourquoi pas, et ça carbure pour rien, donc. Voir pour ça, et puis voir comment ça se passe, que, ouais, parfois j'ai des pointes. Aussi, c'est pas top. Et puis pour le cerveau, jeudi. Je vais être mort, hein, parce que aujourd'hui, bah, je me suis peu reposé. Encore ma grand max. Est-ce que j'avais deux rendez-vous? Et puis voilà, j'ai fait mon sport, je suis rentré, il était minuit hier. C'était quoi après? Demain, ouais, c'est, je dois aller à la salle à 8h du matin. Puis j'ai un rendez-vous à 11h quelque chose cardiologue. Le lendemain, à 11h quelque chose... Non, c'est à 9h. Jeudi, c'est à 9h que j'ai rendez-vous. Jeudi, ça sera à 9h. Voilà, quoi, donc, bon. Et jeudi... Ouais. Ça va être dur. Hein. Et vendredi, j'aurai sport de nouveau. Voilà. C'est un peu compliqué. Surtout que, bon, j'ai d'autres trucs aussi à côté, mais... Ça aurait été bien de continuer à faire les stockages. Hein. On va les laisser faire. Voilà, on va les laisser faire. On n'a pas apparemment le choix. Comme ça, ils avancent aussi là-dessus. On a trois glandules là qui ne font rien. Je vais ouvrir... attendez, je vais ouvrir un poste hein, de construction, peut-être. On va en ouvrir deux. On va les faire ici. Voilà. Et on va voir peut-être pour ouvrir encore plus d'habitations. Voilà. Ça fait 34 chambres. Hein. Voilà, il ne faut pas ouvrir tout. Hein. Même si là, je pourrais vraiment tout ouvrir. Et on serait bon en fait. Hein, mais voilà. Ici, je sais pas. Ici, franchement, je sais pas si je l'ai détruit. J'ai détruit plusieurs étages. Je sais pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir la même. Enfin, après, ouais, on a fait des raccourcis, quoi. Mais notre usine, maintenant, notre concentration sur nos habitations, c'est vraiment ici. Ici, parce qu'il y a beaucoup de densité ici dans le temps de production. Et ici, ça sera aussi, quoi. Après, il y aura un petit peu par ici aussi. Comme ici, bah, les fermes. Hein. Maintenant, voilà, faut voir si ils arrivent. Ah. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas mis ici une priorité? Voilà. D'ailleurs, on va voir un petit peu où ils habitent. Alors, t'habites où? Elle habite là, bah, c'est très bien. Dans le sens que, voilà, il y a juste à faire ça, tac, tac, et aller ici. Hein. Aller ici, bon, c'est une petite déviation, mais que normalement, hein, devrait changer avec le temps. On fera directement une passerelle quelque part par ici ou quoi. Oh, pac, 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 voilà, tout ça, ça sera pété. Maintenant, voilà, j'attends qu'ils détruisent tout ça, quoi. Et c'est pas... il faut attendre, quoi. On a encore des herbes ici qui sont... Ils sont quoi, ces herbes-là sont... Ah, ils sont pas... Ils sont pas naturels, non. Ceux-là, non. Bon. Ici, voilà, donc on prépare déjà le futur champ. Les futures fermes ici. Ça sera quoi, ça? C'est du papier, ça.
On va peut-être voir pour le bouger. Et ici, on va laisser pour le moment la zone en question de bois. Allez, vite, qu'il termine ici avec la TNT. Ils n'ont plus accès à rien. Et qu'ils fassent la suite. Alors, par rapport à l'eau, hein. C'est vrai que l'esprit, j'ai pas fermé ici. Je laisse comme ça, mais... Regardez, ouais. On a vu ici la vague, hein. On ouvre. Non, il n'y a pas ici. Et forcément, le week-end, pas ce week-end, mais je crois que ce sera le week-end prochain, il n'y aura pas de live non plus, parce que je serai, on va dire, en... Bah, je serai avec madame, et puis il y a le tournage de la vidéo, hein, auquel je faisais la cuisine, la suite. Voilà. Ah, ils sont aussi en train de poser la TNT. Hein. Ils sont surchargés, hein, donc voilà, on va les laisser faire. Hein. On va demander vraiment plus rien, et puis voilà, on va aller crescendo, comme on dit. Pour la suite. Pour le moment, on a beaucoup de bâtiments hein, qui manquent d'ouvriers. Hein. Voilà, on va vraiment les laisser se développer. Pas vraiment le choix. Ah ouais, il y a quand même beaucoup. Hein. En vrai, il y a beaucoup. Hein. Manque vraiment beaucoup de personnel, de ce que je vois. Ouais. Il manque quand même beaucoup de personnel. En tout cas, je suis content ici d'avoir la bonne idée voilà, de faire une petite zone tampon. Ça, c'est bien. Ça peut servir. Alors ici, j'espère qu'ils vont avoir le temps en fait, hein, de récolter ici, récolter à la derrière. Transporteur, hein, il n'y en a pas énorme. Ils vont pas venir chercher ici. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Ça se termine ici. Il y a quoi les maisons ici à hein, terminer aussi hein. On a quand même 26 chambres hein, disponibles et 25 enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont été faire eux ? Il n'y a pas de transport, c'est bien. Il n'y a pas de transport. Et ils prennent de l'eau justement. Et l'eau, hein, on est bientôt à fond. Après, voilà, il y a tout ça, en fait, hein, qui est demandé en construction. Encore 6 ans. Donc, et voilà, ils commencent à faire ici tout ce qui est les plateformes. Il faut avancer, hein, il faut avancer. Parce que si je libère cette zone-ci, parce que j'ai pas vraiment l'utilité, voilà, ils vont mettre plein de TNT partout et qu'ils vont être occupés à faire autre chose. Alors, il reste encore 14,4 jours de chasse, les amis. Alors, ce que je vais aussi libérer, ça aurait été ça, en fait. Hein. Une scierie et un truc à engrenage. Une scierie. Attendez. Voilà, on va libérer ça. On a libéré un truc de papier, un truc d'explosif. Alors, on libère les choses petit à petit. Mais on manque vraiment, vraiment d'ouvriers, quoi. Donc, c'est pas le mieux. Un grattage de points, un monde activé. Oula. Ça va, Alex. Oh, merde. Comment tu vas, Alex? T'arrives à temps, Alex, t'arrives à temps. Tranquille et toi.
Bah écoute, ça va, un peu fatigué. Parce que hier j'étais. Ça monte, Tink. Qu'est-ce que j'allais dire, ça monte. Un peu fatigué parce que hier, au soir, bah, j'étais au sport. Hein. Je suis rentré depuis c'est minuit, etc. Je me suis reposé environ 5 heures cette nuit. Ouais, un peu fatigué. Mais sinon, ça va. Ça va. Demain, je vais me lever aussi bientôt. J'ai le sport à 8 heures aussi en salle. Voilà quoi, donc ouais, c'est assez, et puis j'ai mon rendez-vous pour le cœur, bon voilà quoi, c'est assez compliqué. Et tu vois Alex, on arrive à remonter la pente tout doucement, du moins pour le moment. On est très très bon là. J'aurais bien aimé en fait hein, qu'ils détruisent cette merde là. Hein. Ils peuvent le faire, hein, mais ils le font pas quoi. Après ok, j'ai pas donné priorité, mais... Voilà. Et tu vas faire quoi aujourd'hui, Alex, en live? On va encore jouer à plus ou moins une heure hein, ensemble, hein, les amis. Voilà, comme ça. Plus ou moins une heure. Il y a un casseur qui est blessé. Bah, les médicaments descendent hein, vraiment très vite. D'où pourquoi j'ai demandé, en fait, hein, voilà, qu'ils ouvrent ici le drapeau de Coyette. Sauf qu'il n'y a encore personne. Et la pharmacie, sauf qu'il n'y a encore personne. Pharmacie, c'est pas ça, c'est pas vraiment la pharmacie ici. Oui. Mon jeu habituel depuis un bon nombre. Attends, c'est quoi? C'est pas Diablo? Non, je rigole. C'est The Division 2, forcément. Alors, voyons voir un petit peu lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à la boulangerie. Boulangerie qui est ici. Et il habite où, lui? Il habite loin, vous voyez. Il est là, le problème, quoi. Bon, après, c'est pas... Enfin, évidemment, t'es là, ta-ta-ta-ta-ta, et aller... Bon. C'est pas le plus loin. Et puis, aller par ici. Même si, voilà, s'il aurait été habité par ici, ça aurait été beaucoup mieux. Quand même, attends, je te mets les GG, Alex. Voilà. Il faudra après que je fasse une pause pipi room. Par rapport au niveau d'eau... Alors, ça descend. On voit que ça pompe pax, hein. Ça pompe pax. Ouais, on est déjà à cet étage ici. Hein. Il faut aller vraiment tout doucement en crescendo hein, pour pouvoir on va dire, libérer le reste. C'est vrai que ça, j'aurais bien aimé en fait de le déplacer. Hein. On pourrait. Voilà, on va demander. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais écoutez, on va pas vraiment le choix. On va demander qu'ici. Hein. Ça arrête de planter et on va changer après pour tout ce qui est les pistolets. On va les mettre ici. Est-ce que je ferai? On fait même ça. Voir la place en fait hein, de tout faire. Prépare la chose. Bon. Alors. Et donc, Alex, attention que jeudi, hein, on va live du début d'après-midi avec Monsieur Ying. On va essayer de live. Alors, faudra que je... Normalement, on va voir si je suis pas trop fatigué. Entre, je sais pas, on va... Midi et demi, une heure, jusqu'au maximum, on va dire, voilà. Maximum, ça sera même mieux. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir, hein, quand même. Une heure et demie... Ying! Attends, parce que... C'est à 9h. Ying, si tu m'entends, ça serait peut-être même mieux de commencer à midi, en fait. Midi, jeudi. Et comme ça, je m'arrête à 14h... à 2h30. 14h30, quoi. Voilà. Ça serait même mieux, parce que si on commence à 1h, 14h30, ça fait 1h30, quoi. Mais je pourrais pas gratter des points et... Après, si tu peux allumer ton téléphone, tu vois, en sneaky. Bon, faudrait que je dise ça, Ying, ce sera plus simple. Je sais pas s'il m'a entendu. Ce sera plus simple. Bon. Donc, ça pousse. Alors, qu'est-ce que font nos ouvriers? Bon, il n'y a personne. Personne, ouais, on manque vraiment de personnel, hein. Et c'est affligeant.
ici, il y a du monde. Alors, on va le suivre un petit peu. Et d'ailleurs, ouais, sur mon téléphone, je suis passé à l'Android 14. Ah, il prend des planches. Ah, ils sont en train de faire là-bas, alors. De faire ici. Exactement. Je suis passé à l'Android 14. J'ai pas... Voilà, il y a quelques petits trucs qui sont sympas. Comme un truc aussi... par rapport les progrès qui passent au niveau... Ok, deuxième qui passe niveau 19, j'ai déjà trouvé, merci. Et exemple, s'il y en a, il y a un tracker, exemple, quelque part. Et qui te suit, bah, ça te le dit, en fait. Alors ça, c'est quand même un truc assez étonnant, quand même. Hein. Mais c'est bien, hein, voilà. Ça te le dit, parce que voilà, si c'est un truc à connexion Bluetooth, bah voilà, il va détecter par rapport à un truc Bluetooth. Voilà. Et c'est bon, bon à savoir. Ça, à mon avis, je vais les détruire. On va les laisser là pour le moment, ça dérange pas. Hein. Ici, est-ce que ça commence? Non, ils font pas non plus. Hein. J'ai envie de faire plus de place, en fait, hein, pour les enfants ou de maison. Mais je sais pas, on va encore laisser un petit peu. Hein. Voyons voir un petit peu toi, où tu travailles, poste de transport. Poste de transport. Bon, voilà, c'est en train de se remplir, hein, par rapport à ici. Et ce qui est bien, en termes des patates crues, bah on est bien, ça monte bien. Ici, on a bien fait ce truc-là, il récolte tout, c'est chouette, c'est top. Monsieur Ying, est-ce que tu es là? On va ouvrir hein, d'autres maisons. On va ouvrir tout ça. Voilà. Comme ça, ça va avoir plus de place. On a 48 places de lit. Attention, on ne va pas aller trop vite. On a 29 000 d'eau. On est au maximum. Hein. Et on a 10 000 de nourriture. Hein. C'est pas assez, quoi. Il nous manque encore 20 000 d'eau, quoi. Donc, avec ceci, qui nous va nous apporter 1 000 de chaque à chaque fois, bah, 6 000 en plus. Il va falloir faire plus de stockage, hein. Plus de stockage. Oh non, ça largera plus par ici. Nourriture, c'est la même chose. Hein, donc voilà, on se dépêche à faire ça ici. Ici, j'aimerais bien que ça se termine ça aussi, hein, qu'ils cassent tous ces arbres-là. Pouvoir péter après ici, donc ces arbres aussi, ça va disparaître. Bon, bon, bon. Alors. Ça commence à se remplir, hein, mais... On va voir un petit peu ici comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont le temps maintenant de récolter tout, en fait? Il va falloir que j'aille pisser, hein, mes amis. C'est un pipi room. Là, je suis pas sûr qu'ils ont le temps, en fait, de ramasser, là. Je sais pas. Bon. Bon, voyons voir si c'est pas encore posé non plus. Je parle de forcément de la TNT. Bon, ils sont vraiment focalisés ici, ce qui est bien. Hein. Bon, comme ça, ils vont pouvoir passer à autre chose. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui travaille? Non, toujours pas. Et là, toujours pas non plus. Bon. Allez. Il y en a qui viennent grandir. Il travaille où? Lui, au pompe à eau. Ouais, en fait, là, il nous manque... ouais, il nous faudrait, en fait, voilà, encore 40 castors ou 20 castors en plus. On va peut-être combler un petit peu tous les trous. Et ce que je vais faire aussi, c'est que... Ouais, non, je peux pas. Il y a des arbres ici, je peux pas. Comment, ouais, ils n'ont pas replanté ici, c'est bien. Ça coupe ici, hein, donc c'est top. Hein, ça va encore retirer un peu plus de d'arbres. Alors ici, on a un bûcheron. Donc qui veut dire qu'on a deux bûcherons ici. Ok, ils coupent du bois. Et celui-là, c'est pas un truc que j'avais fermé.
On a même 3 en fait. J'ai pas l'impression qu'ils arrivent à aller jusqu'ici. Hein. Bon, ils arrivent quand même, il y en a au moins un qui vient. Bon, la prochaine nuit, je crois qu'ils vont bien copuler. Hein. Et encore 9,3 jours de ce stress. Ouais, mais ça pourra vraiment nous aider en fait avec des petites pompes, hein. Les travailleurs, ils sont totalement débordés. Là, il faut absolument des bébés, là. On a eu pas mal, hein, des bébés, d'ailleurs. On a 34 bébés. Et hop, il y va. Il y va. Hop, il récolte direct. Il n'a pas le temps, les amis. Il récolte. Voilà. Et ça plante. Et ça continue à planter. Et ça récolte. Incroyable. Et on va voir un petit, faut voir un petit peu ici en termes de ressources, ça a été vidé. C'est évident que ça prend les carottes qui sont un peu remplies. Et ici, si vous voyez les carottes qui sont à moitié, et les carottes aussi, on a la moitié. Bon, allez, ici, il faudra que ça avance aussi. Voilà, ici, je crois que c'est terminé. C'est en train d'apporter tout ce qu'il faut en fait pour une grande cuve. C'est vrai qu'on a 30 000 hein, d'eau. Il faudra des blocs de métal. Et les blocs de métal, il va falloir que je rouvre ici un entrepôt d'éclaireur. Alors, on ouvre un. Et que j'ouvre aussi une usine qui se trouve ici. Une usine hein, pour faire le métal. Est-ce que je prends bien celui-là? Ouais, là, ça va. Bien celui-là et une usine à métal pour dire des blocs de métal. Voilà. Bon, sur ça, on est bon. Mais il manque du personnel. Hein. Il manque vraiment du personnel. Chose qu'on n'en a pas pour le moment. Après, voilà, on espère qu'ils vont grandir. Voilà, après, voilà, on a quand même 35 places, 32 enfants. En théorie, hein, on va taper 300 castors. Ici, on l'est déjà avec... bon, voilà, il y a encore les enfants. En bloc de métal, on en a 16. Hein. Et il nous faut 30. Ah, attendez, on a déjà 26. Donc ils vont bientôt pouvoir terminer celui-là. Donc, comme ça, ils vont pouvoir compact au max. Alors que j'ouvre ici hein, toutes ces pompes. Sauf que j'ai trop de bâtiments en fait qui n'ont rien. Et je peux pas me dire, voilà, on va ouvrir ça et. C'est un peu compliqué. Oh là. Je suis un peu fatigué, hein, mais bon. Et mes muscles, ça va. Ça va, je m'attendais à avoir un peu plus mal, mais ça va. J'aurais pu avoir pire, j'ai déjà eu plus pire. Il faut juste qu'ils le terminent. Ils sont en train d'apporter ici les planches des autres. Et vraiment, il n'y a aucune production, hein. À part la TNT et le papier de la TNT. Et tout ce qui est farine, mais c'est tout ce qui est. Hein. Alors, pompe à eau, il travaille ici, tiens. Après, c'est vrai qu'on est bien à bas, donc ce qui veut dire c'est qu'on va libérer beaucoup de postes. Je vais déjà quand même ouvrir ça. Hein. Tous ces pompes à cela.
On avait dû fermer. Voilà, c'est très bien. Voilà, il y a encore ceux-là qui sont à ouvrir aussi. Bon, il y a beaucoup plus de postes de travail disponibles. Donc, ouais, faire attention. Mais ouais, la nourriture, ouais, a du mal à monter quand même. Hein. On a 11 000, mais... Et les patates grillées, on est presque à un stock atteint. Ça serait bien qu'il le termine là, quand même. Hein. Il faut des grands, voilà, un cas grandi. Ouais, mais... Ils vont travailler maintenant à quand même des constructeurs. Et toi, quel... Ah, il habite. Ah, bah, il est juste bien là, il travaille juste ici. Oh, mais ça, on en a perdu un. Hein. Toi, tu vas faire quoi? Log métal, il va le transporter ici. Donc le métal, on n'en a plus un. Ah, on a plusieurs qui ont grandi. Toi, t'habites où? De constructeur et poste de transport. Poste de transport qui se trouve... Hein? Quoi? Attendez. Ah, ferme efficace, pardon. Bon, allez, encore 6,6 jours. Mais j'ai mal au bas du dos. J'avais pas ça tout à l'heure et là maintenant je commence à l'avoir. Bon, c'est quand ils veulent hein, pour construire là. Après, c'est vrai qu'il y a moins de castors parce que voilà, j'ai ouvert plein de postes en termes de constructeur, mais quand même. Ils apportent, mais ils font rien d'autre. Je ne sais pas. Bon. Ça fait déjà 47 minutes hein, qu'on est sur cette game. Ok, la population augmente, mais vraiment doucement hein, quand même. Donc c'est, on va dire, la remontada. J'aurais peut-être dû appeler ça comme, comme titre. D'ailleurs, après, il faut que j'envoie les vidéos sur YouTube, parce que je ne les ai pas faites, celles d'hier et aujourd'hui. Bon, ils apportent des choses, hein. Alors, voyons voir. Toi, tu travailles où, hein? C'est un enfant. Ferme efficace. C'est un constructeur. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui sont malheureusement décédées, quoi. Donc... Donc ici, ouais, on va peut-être ouvrir ici. Après, est-ce que je ferai encore... Je ferai peut-être une habitation au-dessus. Mais est-ce que je ferai encore au-dessus? Je ne pense peut-être pas. Après, c'est vrai qu'il y a voilà, du travail par ici, donc peut-être. Mais sinon, ouais. Et puis, il y a encore tout ça, donc... Ouais, je vais peut-être les ouvrir. Peut-être, je sais pas si tu vas encore monter encore un étage, on verra. Ça prend le blé et ça vient les apporter en fait ici directement. C'est pour ça que je l'ai fait ici, parce que dans le sens c'est plus près. Ils apportent ici les planches. Allez. Ah, j'ai un petit coup de moule hein.
beaucoup qui ont grandi. Le transport. Le transport. Ce qui veut dire, ouais, on va devoir ouvrir. On va devoir ouvrir plus. Hein. On va libérer 45 lits. Et là, normalement, ça y sera beaucoup mieux. Même si ça va pas suffire, hein, je pense. Waouh! J'ai un immense coup de mou là! Ah la vache! Oh là là! Alors, où est-ce que tu travailles toi? Pôle de transport juste ici, impeccable. Donc ça se remplit, hein, c'est bien. C'est très bien. Mais la nuit, ouais, on va avoir un gros bibi-boom. Je vais en mode shadow activé. Ok, Alex. ça marche. Bon appétit si tu vas manger. Oh là là. Le pain tendance un petit peu à redescendre. Hein. Va falloir voir et checker un petit peu ça. Bon. Oh là là. Bon, voilà, la nuit va arriver. D'ailleurs ici, on va donner de l'eau ici. Hein. Ça peut-être que Repompax un petit peu plus d'eau ici, mais... on est pratiquement à fond. Il reste 4,1 jours. Voilà, on a plein de naissances. Beaucoup de naissances, hein, vraiment. Et on peut voir, hein, ça continue à défiler. Il y en a un qui a grandi. Pôle de transport. Écoutez, je crois que je vais aller faire un petit pipi room. Je vais faire un petit pipi room. Et je vais revenir, les amis. Alors ici, je vais juste voir pourquoi ils ne construisent pas. J'en sais rien. Impossible de... Hein, tous les matériaux. Ah, il manque 60 engrenages. Après, on l'a demandé. Ah, ça fabrique... non. Et voilà, et on a 36 enfants, 41 lits encore disponibles. Donc il faut le laisser, on va dire, grandir. Hein, et, voilà. Faut juste attendre un peu, être patient. Et ça arrivera. Ah, on n'a pas réussi à Pompax ici, tiens. Et on va refermer parce que l'eau est en train de revenir dans l'autre sens. Bon, écoutez, pipi room, et je reviens, bougez pas. À tout de suite.
Alors les amis, alors je vois que la nourriture est un petit peu en train de descendre. Donc on va pas faire pas de transport. Je sais pas que je vais. Attends. Il y a un an. C'est toi que je veux. Pose de transport. Et toi, pose de transport. Simplement parce que on manque, voilà. On a noté quand ça descend à ce que je vois. Donc on va laisser faire les choses, même si. Après voilà, ça va se libérer ici hein, quand il y aura l'eau qui va commencer à monter. Ça va libérer beaucoup de postes. Mais voilà, il faut que l'eau arrive. Voilà, l'eau commence à descendre un petit peu aussi. Ici, il faut que ça se termine. Le mec, il termine ça aussi là. Hein, mais bon, il manque des engrenages. Donc il va falloir que il y ait des embranchements. Pour le moment, il n'y a pas d'embranchement. C'est un peu la merdaille hein, en fait. Hein, la merdouille un petit peu. Moi, ici, on a les arbres ici, sinon j'aurais peut-être pu planter déjà. Enfin, planter. Fabriquer, on va dire, la ferme. Il y en a ici qui ont grandi. Grill. Bien, voilà. Produire un peu plus de patates. Ici, ça récolte. Hein. C'est bien, ça récolte bien. Voilà. Ça récolte bien, mais oui, bon, beaucoup trop d'ouvriers. Alors encore 1,3 jours avant le début de la fin de la sécheresse, hein, saison 2 d'eau, de pluie. On va libérer de l'eau. Donc on est quand même bien bas. Hein. On est quand même bien bas. Ah, ils ont construit ici ce que j'avais demandé il y a longtemps quand même. Donc ça c'est bien. Par rapport ici aux 4 bâtiments de secours. Après voilà, ça peut aider. Exemple, on va donner un exemple. Hein. On se retrouve encore comme, comme l'autre fois à 14 castors. S'il y a ici les pompacts qui sont bons, il n'y a plus d'eau. Mais ici on aura 4 qui vont encore compacts. Et donc on peut vraiment les diriger par ici en fait. Voilà à quoi ça sert en fait d'avoir ces pompes-là de secours. Ça s'enferme. Un qui a grandi. Papeterie. Ah. On n'avait plus, mais j'aurais voulu avoir plutôt ici en fait, hein, dans tout ce qui est série et atelier d'engrenage. Écoute, on va mettre une petite priorité dessus. Hein. Bon, y a personne qui vient. C'est-à-dire qu'ici c'est vide. Ouais. Ouais, non, on manque vraiment d'ouvriers. Hein, donc, toi, tu vas où? À la Syrie. Hein. Ben voilà. Mais j'aurais voulu que tu que t'ailles ici en fait. Où tu habites? Dis-moi un petit peu où tu habites. Ok, ben voilà, c'est impeccable. C'est ça qu'on veut en fait, qu'ils habitent vraiment à côté. Donc c'est top. Ça c'est top. Allez, encore 0,3 jours avant le début, la fin de la chasseresse et le début de l'eau. L'eau qui va arriver abondamment. Je l'espère. Ouais. Ça stagne hein, pour la nourriture, mais ouais, on peut pas faire plus de bopé. Hein. On est à 350 environ. C'est vrai que ici, ce côté-là, hein, ils ont un peu plus du mal. Hein, un peu plus du mal, en fait, à récolter les patates. Et ici, c'est pas encore fait, quoi. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment les laisser travailler, en fait, hein, les castors. Alors, on va voir un petit peu. Qui vont aller chercher. Ah, c'est ça, c'est terminé, c'est bien. Il est en train de dormir. Bon.
Il est en train de dormir, les amis, donc on va voir un peu, mais... Et lui, il a un bonheur de 17, quand même. Hein. Donc lui, il est bien, lui, il est bien. Voilà. Alors, on va le suivre. Hein. Voilà, il est là. Voilà, il passe, il passe. Et il doit aller par ici, je pense. Hein. Ouais. Où est-ce qu'ils vont? Il prend des planches. Est-ce qu'ils vont continuer encore ici? Ils n'ont pas terminé peut-être ici. Hein. Alors ici, ils ont tout terminé. Après, c'est possible que ce soit autre chose. Hein. Que ce soit vraiment autre chose. Ah, ben voilà. Et voilà, c'est ici. Ils font le blé. Alors, le blé qu'on est en train de redescendre hein, en termes de production. Alors, toi, tu fais quand tu travailles à la boulangerie. Et tu habites où hein. Voilà. Ça, il y a un problème. C'est là-bas que tu dois habiter, pas ici. Hein. Et j'ai pas envie de me casser la tête avec les districts, hein, vraiment. Hein. Ok, je pourrais voilà, me dire, voilà, il y a plusieurs districts, etc., machin, mais... Trop cassette pour passer d'un... Des ressources à l'autre, machin, c'est chiant. Quand t'as des grandes populations comme ça... Hein. Poste de transport, poste de transport... Poste de transport... Pas trop vite tard. Poste de transport. Et poste de transport. Lui, c'est tout ici. Même pas. Ah, voilà. Les engrenages vont pouvoir reprendre. Ça, c'est bien. Il faudrait aussi d'avoir là-bas. Quelqu'un qui va chercher de la ferraille. Et quelqu'un qui fabrique tout ce qui est bloc du métal. Ouais, il va falloir attendre un peu avant que le reste se fait. Alors, on a un engrenage ici. Oui, l'eau. L'eau, on est déjà très très bien. On est vraiment à la limite en fait. Hein. Mais ça va bientôt déborder donc. En train de stabiliser en fait tout le niveau un peu plus par là. Hein. Voilà, ici, un exemple, ça va apparaître l'eau normalement. Normalement. Comme ici en fait. Hein. Non? Non, pas vraiment en fait. Et normalement l'eau continue. On va voir un petit peu la pression ici. Hein. Ça pousse, hein. Et ça a du mal à sortir. Tiens, qu'ils rondissent là, c'est bien. Là, tu fais quoi? T'as pompe à eau. Le transport. On va devoir laisser comme ça en tout cas, on peut pas faire plus. Voilà, il commence à couler par ici. Ici, ça va de nouveau Pompax. On a encore beaucoup de naissance. Hein. Il manque quand même encore 13 bâtiments, hein, 12 ouais, 13 qui sont donc du personnel, mais bon voilà. Les pompes si quand ils seront sous l'eau, ça ira beaucoup mieux. Oh là là.
Câble. Ah, ils ont fini ici avec la TNT ici. Je vais voir un petit peu ce qu'ils font là, nos transporteurs, là, nos travailleurs. Ah. Voilà, ils sont en train de mettre ici l'explosif, les câbles. Et je verrai en fait hein, pour mettre l'explosif aussi juste par là. Ouais. Mais ça, je dois laisser, hein. Ça se zone tampon. Ou alors, non, je peux la péter aussi, en vrai. Je peux la péter et faire un chemin ici. Hein. On verra. Ça passe, c'est déjà la nuit. Alors, quoi. Donc, une naissance, deux naissances, ouais, voilà, beaucoup de naissances qui se font. Donc, on a eu 4. Et il y a un peu plus, hein. 6 ans. 7, 8, hein, je crois. Au début, la prochaine chasse stress. On est bon là-dessus. Là, si on est bon, maintenant on va voir, hein, voilà, si on arrive à tout remplir aussi. On va laisser ça comme ça, au moins. Ou pas, je sais pas. On va laisser comme ça. Comme ça, voilà, si on oublie. 31 000 d'eau. Ah! Impeccable. C'est dur, dur, hein. Alors, on a plein de casseurs qui ne font rien. On va libérer ici. Voilà. 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 Qu'est-ce qu'on peut d'autre ouvrir? D'autres postes de transport peut-être aussi, hein. Voilà. On va voir un petit peu le niveau d'eau, voilà l'eau qui coule par ici, c'est bien. Alors, c'est presque fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est un drapeau de cueillette. Et on va mettre ici. Et où le puce au lit, hein? Voilà. Donc j'espère maintenant que voilà, ça sera possible hein, de planter ça ici après. On pourra enlever cela. Il va se remplir 1,6 jours. On sera bon, hein, on sera bon.
Mais là, ouais, si on a un 1v2, ça aurait été même mieux. Hein. Deux écluses. Oh là là. Le problème, qu'on va devoir débarrasser un petit peu. Hein. On est vraiment dans la limite. Bon. Je sais pas si je m'arrête un peu plus tôt, les amis. Hein. Franchement, rentrer du mal à tenir. Et si j'ai pas un discours cohérent, non plus, ça ne va pas non plus. Je dois. On va voir. Bon. Alors, en TNT, ouais, on a bien décidé en TNT. Hein. Après, il y a beaucoup de pouces. Ça, c'est un problème, ça. Justement, c'est un jeu qu'on peut pas être fatigué, en fait. Hein. C'est un jeu où on peut pas être fatigué parce que voilà, on est en train de faire beaucoup de bêtises ici. Voilà, c'est urgent. Et ici aussi. Voilà. Si ça prend Pax. Voilà. Ça a arrêté. On peut. On va pouvoir refermer. On va garder un petit peu le niveau d'eau. On va peut-être encore un petit peu. Je sais pas. J'ai peur de. On va laisser encore un petit peu. Je pense que là, ça sera bon. Mais là, par contre, là, c'est un petit peu un petit problème, là. Hein. Parce qu'en termes de ferme, à part cette ferme ici, bah ouais, on va avoir un petit problème. Clairement, bon, ici, on a des pompes quand même, il faudra pas oublier de les fermer. Mais... bordel de tête à... possible ça. Hein. Après c'est le côté ouais là aussi. Hein. Bon c'est fini là le débordement là. C'est pas stabilisé hein. Oh ah quand même. On va vite fermer parce que le niveau, de toute façon, est bientôt à la fin de l'eau. Mais là, on est bien inondé, en fait. Hein. On est bien inondé. Hein. 28 jours. Bon, on est dans la limite. Dans la limite. Et là, on peut pas que ce plus ni rien, donc... on a été, ouais, on a gaspillé de l'eau. Hein. On a gaspillé beaucoup d'eau. Hein. Mince. Il y a tout plein là qui grandissent, c'est bien. Ça va pouvoir avancer en fait sur les constructions, hein, donc c'est bien. Donc ça, on peut faire péter. On va le laisser pour le moment. Ça pompe pas que ça c'est bien. Ici, il n'y a qu'une pellicule, hein, mais ouais, ici un peu plus. Hein. On peut le voir par rapport à la couleur de l'eau plus foncée. Même si voilà, on a des 4 pompax hein, qui pompax. Mais ouais, ça. Si c'est le moins grave ici. C'est le moins grave, mais même comme ça, c'est grave. Quoi.
La nourriture commence à descendre. Hein. On les produit plus. À part ici. Il y a un grill ici. Voilà, ça sera bientôt fait aussi. Il manque 40 engrenages. Il faut que l'eau sèche là au plus rapidement. Hein. Ils ont des trucs comme ça en fait hein, qu'on peut vraiment dire c'est fini quoi. Voilà, ici voilà, grâce à ce système-ci, hein, les amis, hein, on permet voilà, de replanter. Ça, ça repousse, hein, voilà, on a pas tout, tout perdu. Et on va pouvoir relever la tête. Et en fait, ici, ça aurait été bien peut-être de faire la même chose. De faire un coin. Ouais. De faire un coin, mais il faudrait le trouver où en fait. Ça peut être une bonne idée ça. Vous voyez, faire au moins un petit trou. Comme ça, l'eau va se mettre dessus et ça va pompax de là. À mon avis, encore 2 jours ou quoi, ça sera sec ici. Hein. Mais en attendant, ça travaille ici. Allez. Voilà, ici c'est bon. Ici c'est bon, oh, petite sauvegarde. Ça va pouvoir fermer. On a libéré 3 postes, ça c'est bien. Ici c'est pas encore fait. On a 2 chômeurs. Je fais ça, attendez, juste pour voir. Là, on a des personnes qui ne font rien. C'est très, très bien. Donc, on va ouvrir. C'est quoi ça, usine explosif? Usine explosif aussi. Bon, on va ouvrir une usine explosif. Voilà, on a ouvert. Et le reste, hein, bref. On a le temps. Tout le reste est bon hein, là-dessus. Les médicaments continuent à descendre. Donc on va rouvrir ici. J'ai dit ouvert. On va ouvrir les deux. Les deux pharmacies. Une pharmacie ouverte. Voilà. Ouais, donc ça va encore tirer encore un jour. Hein. Ah, fané d'ailleurs les plantes ici. Je vais demander. Ils arrêtent en fait de planter ici. Voilà. Mais faut que ça pompe axe là. Ok. Ça s'est replanté. Ici il y a un cours de l'eau, ça pompe axe. Vous voyez qu'il y a des patates en fait aussi. Hein. Ça remonte un peu, mais. Il faut qu'ils détruisent. Bah voilà, c'est bien. Il faut qu'ils détruisent, c'est ça. Donc, de là, maintenant, on va faire une petite route. Voilà, et on va commencer à faire tout péter. Je sais pas s'ils vont pouvoir aller jusque là-bas en fait. Hein. Ça aurait été bien. Arrêtez bien, attendez, on va mettre une route un peu plus près. Voilà, TNT. Les câbles, hop, on continue ici. Ouais. Et ici, voilà, on commence ici aussi, hein. Voilà.
J'en oublie, hein. Voilà. Ça, c'est demandé. Ils vont déjà mettre la TNT. Parce que je vois qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Ah, mince, ils vont pas le faire là. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Et puis de là, bah on va mettre un escalier. Un escalier. Voilà, et TNT. Toute la zone. Ici, ça sera des fermes hein, aussi. Hein. Donc, il faut tout faire péter. Et surtout ici aussi. Hein. Là, bon, ça, ouais, on peut le faire. On peut le faire aussi. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une grosse demande quand même en termes de TNT. Ils sont déjà en train de le faire. Là, ils peuvent le faire. Ils peuvent, impeccable. Voilà, là, ça fait plaisir. Là, ça travaille. Bon, la nourriture qui remonte. Mais oui, il faut absolument en fait hein, ici pour en faire, on pourra faire une ferme ici, on pourra faire ouais ouais c'est ça. Après ouais, il faut encore faire. Ah, c'est bien TNT, mais c'est possible. C'est possible. Je vais déjà encore faire pipi. Alors c'est fait, impeccable. Ouais, la nourriture autre, hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. Un peu plus compliqué. Alors ici, on a des carottes. Ici, du blé. Voilà. Ce que je vais faire. Je vais faire ici des patates cuites. Voilà. Stockage. On le met là. On va le mettre là. Stockage. Je sais pas si je le mets là ou pas en fait. Ah, un petit. Je sais pas si... je sais pas. On va les mettre là, ça va être une zone à stockage. Alors, patates cuites. Voilà. Alors, je regarde un petit peu hein, tout ce qui est fabriqué et tout. On le manque quand même 11 ouvriers. Hein. Et j'ai envie de rouvrir peut-être cela. Toute cette zone ici, et puis voilà, on s'arrêtera là pour cette zone. Dans le sens que bah, on n'a pas de 16 casseurs en fait, hein, une fois que ici ça prend pas que partout. Et d'ailleurs, on va ouvrir ici. Hein. Ça pompe pas, ça pompe plus là en fait. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Mais oui, on manque vraiment, vraiment beaucoup d'enfants en fait. Hein, donc, c'est assez compliqué. Ça a été terminé aussi. Bon, on va attendre.
En tout cas, oui, ils avancent. Hein. C'est la version expérimentale, ils avancent. Hein. Du jeu. Ils avancent bien. Fonderie. Voilà. Allez. Là, c'est fait. Là, c'est fait. On pourrait le faire péter, hein, déjà. On va attendre, ça avance très très bien. On va faire les chemins. Et puis faire un escalier vers le bas, hein, pour pouvoir être au même niveau que là. Tout péter ici. C'est un gros travail, hein, vraiment. Hein, j'ai pas fermé ici. Erreur fatale, c'est encore une fois. Hein. Si on fait ça... En fait, si vous voulez, l'eau va se couler par là. Il va perdre de l'eau par ici. Bon. Bon, on est pratiquement opérationnel de partout. Hein. Après, c'est pas ici qu'on a totalement fermé. Ah, ici, ils ont fini aussi les maisons. Voilà, ça a été cool. Hein. Il y a 5 casteurs qui sont blessés. J'espère que... Il n'y a personne. Hein. On manque vraiment de casteurs, là. Donc, ouais. Donc là, ça va avoir beaucoup de bébés. Et puis, on aura beaucoup de castors par la suite. Parce que, bon, je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup plus. Hein. C'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais faire, les amis, c'est qu'on va avoir voilà, beaucoup de naissances. On va faire ces stress-là complètes. Et puis, on attendra la prochaine. Et puis, je m'arrêterai là. Hein, voilà. Ça va être un très très gros épisode, d'ailleurs, je pense, même comme ça. Tu travailles où à poste de transport. Il est ici, ok. Et tu habites où? Il habite hyper loin, on va voir. Dans l'extrême en fait, hein, vous voyez. Dans l'extrême. Et toi, on va voir prendre celui-ci, exemple. Toi, tu travailles où? Ouais, ici, ça va. Et j'hésite en fait à ouvrir un petit peu ici. Hein. J'hésite un peu. On va ouvrir ici, on va ouvrir, on va être un peu fou, on va ouvrir 2 étages. Et je crois qu'on va pas assez. Alors, on a un petit peu moins de... On en manque un ici. Un petit peu moins de trucs là stop, mais bon. 120 lits, attention, là ce qu'on a fait c'est hyper risqué, donc là on va plus rien faire. Parce qu'on ouais, manque vraiment beaucoup d'ouvriers en fait, hein. C'est là le problème. Et qu'il en manque énormément, et puis pour le tout ce qui est le pain, etc., la nourriture, c'est un peu compliqué. Il en manque encore un ici, on va attendre. Ça avance bien. Hein. D'ailleurs, faudrait voir pour pouvoir faire ça ici. Là, pourquoi ils le font pas là? Ah, mais non, mais. Donc, ça, il va falloir attendre encore. Hein. Oh, il y en a aucun. Voilà. Immédiatement qui descend, hein, mais qui descend.
On a 60 de bébés, attention. Là, on va créer un baby boom. Attention avec l'eau et attention avec la nourriture. Ça avance aussi. Mais je pense que, ouais, qu'on va vraiment détruire ici, en fait. Hein, qu'on va vraiment se concentrer un petit peu plus par là. Voir. C'est dommage qu'il y a ces petits points, en fait. Hein. S'il y avait une couleur, en fait, je sais pas, un petit truc, en fait, hein, qui dirait que, mais... un peu embêtant. Et ça, ils vont ramasser les patates, c'est top. Ici, ils ont terminé. Ça, on peut faire couper. Il va mettre de la TNT. Ils peuvent le poser, ça, c'est bien. Voilà, ils ont coupé ici, ça commence. La vraie que le stock de TNT a bien diminué, donc le bois, attention au bois, hein. Faut qu'on remette du personnel. On a une armée parce que le bois, on descend très très vite. Allez. Encore 20,1 jours. Il y a beaucoup de naissances. Hein. Vraiment beaucoup de naissances. Est-ce qu'on a le choix, en fait? C'est là le truc. Hein. Est-ce qu'on a le choix vraiment? Oh, on a créé un baby boom. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce qu'on manque vraiment beaucoup de castors. Mais après, voilà, on ne peut pas faire de trop non plus. Parce qu'on n'a pas énormément de fermes. On en a ici, ici. Ici, ici, et futurement ici. Sinon, ouais, c'est compliqué. Hein. Ah, il y a la Syrie. Bon. Ah non, il a changé. C'est un engrenage. Ah ouais, ici, Syrie. Ici, ok. Et pourquoi il n'aurait pas de changer? T'habites où? Il habite là. Un peu loin quand même. Hein. Et je commence à avoir faim aussi. Ça va être long en fait. Hein. Je vais vraiment m'arrêter beaucoup plus tard en fait. Sinon, ouais, je vais m'arrêter bien avant parce que. Écoutez, on va faire 2 heures au maximum. Hein. On peut faire 30 minutes. 30 minutes et puis je m'arrêterai là parce que ouais, j'ai encore des vidéos à envoyer. J'espère qu'il y aura le temps. Tant que je me mets en retard dans mon planning aussi, quoi. Donc voilà. Ying, est-ce que tu es là, Ying? Un petit peu, puis je vais faire un pipi room là d'urgence parce que là, ça commence un peu compliqué. Je vais attendre que monsieur Ying. Bah, dis-moi quoi, si t'es là en tout cas. En attendant, j'allais faire une petite pause pipi room. On va se mettre ici, comme ça, vous allez voir l'avancée là de la TNT. A de suite, amis. Bougez pas. Thank you.
Voilà, les amis. Alors. Regardons un petit peu voir où est-ce qu'il travaille, lui. Poste de transport. Ouais. C'est vrai qu'après, il faut que je téléphone aussi, donc. Je suis assez pressé, en vrai. Non, ça, ouais, ça, on va mettre dans les transporteurs. Le blé, on est bien par rapport au blé, hein. Maintenant, le blé récolte. Qui est ici, on est un petit peu moins bien, ça descend. Donc va falloir voir à ça aussi pour faire les farms ici par après. Ils mettent la TNT. Alors, toi, tu travailles au combat, quand même des constructeurs. Il manque encore 21 postes, hein, donc ouais. On est beaucoup. Ouais, la nourriture, bon. L'eau, ouais, ça descend peut-être un petit peu hein, par rapport à l'eau. Mais je sais pas si tout est bien rempli ici. On va laisser faire hein, ce qui manque beaucoup d'ouvriers. Hein. Donc là, tu travailles pas des constructeurs. On va voir un petit peu ce qui manque. Voilà, ici, il n'y a personne. Hein, ici non plus, hein, pas de constructeurs. Imprimerie non plus, bon ça c'est un petit peu moins important. L'usine non plus, usine non plus. Il y a beaucoup de postes en fait hein, qui manquent. Et pharmacie. Hein. La cueillette. Il manque beaucoup de choses. Hein. Il manque beaucoup de choses. Ça travaille où? La fonderie. Impeccable. La fonderie, ouais, on a plus, ouais, on a plus de, on a plus pour faire des blocs de métal hein, en fait, hein, on a plus de mitraille, on va dire, hein, de ferraille. Donc ouais, c'est un peu compliqué là, hein, il faut qu'ils grandissent. Mais là, je crois que je suis à mon maximum là de ce que je peux avoir. On est 400, on a un peu plus de 400 castors au total. Hein. Il y a quand même beaucoup. Hein. On a vite remonté. Bon, alors. On a quelques connaissances. Hein. Voilà, on a 62 lits hein, pour le moment, 60 disponibles. Donc, ouais, les bébés là, ils affluent. Hein. Donc, toi, travaille au drapeau de cueillette. Impeccable. Il n'y a pas de transport. Sur lequel il travaille, j'espère que c'est pas ici. Allez. Le bois on remonte un petit peu, après c'est pas si grave. J'aimerais bien voilà qu'il termine ça, ces merdes là là. Ah, il faut que je les enlève. Okay. Enlever. Vérifions. C'est bon. C'est bon. Allez. Une fois que ça sera enlevé, on pourra mettre ici une ferme, même deux. Ça, c'est un truc à papier. Donc, le truc à papier pour les explosifs, on va les mettre ici. Est-ce que je le mets là? Oui. Non, c'est bien là, c'est bien, c'est bien. Comme ça, c'est pas trop loin. Alors.
Le papier, 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 papier. Tu trouves à mon avis ici. Voilà, comme ça on va pouvoir enlever celui-là et le déplacer de l'autre côté. Bon. Voilà, il manque 30 ouvriers là. Bah ouais, forcément, ça a libéré plein de postes ici. Voilà. Bon, plein de naissances hein, de nouveau, mais j'ai peur pour vraiment pour tout ce qui est nourriture. Hein, j'ai peut-être fait un peu de trop en fait. C'est quoi ça? Est-ce que on harcèle là? C'est Snap qui me harcèle. Hein. Bientôt fini. J'aimerais bien qu'ils coupent les arbres là. Ça aurait été bien. Ici on peut maintenant mettre les autres isolés. Voilà. Alors, je sais pas si ça sera assez. Je sais pas. Mais on verra bien. Ah, oui, il y a beaucoup qui a grandi là. Attendez, on va voir un petit peu ce qu'il fait. Poste de transport. De transport. D'ailleurs, il fait quoi lui? Il ne fait rien. À mon avis, il cherchait de l'eau. Point des rondins, c'est bien. Et lui, il va rien. Bah, il prenait du bois juste avant. Oh, où il va? Ah, il va habiter là-bas. Ok, il habite là-bas. Bon, il habite un peu loin, mais bon. Pourquoi pas? Et là, ça commence à pousser par ici. Il y a encore 15 jours, les amis. Mais je vais m'arrêter bien avant. Je crois que je vais peut-être même m'arrêter maintenant. Hein. Parce qu'il faut plus que je téléphone. Il continuera ça vendredi et ce week-end, samedi. Voilà, dimanche, je ne serai pas là. Mais sinon, ouais. Voilà, voilà. Et voilà, c'est bien. On a bien remonté. Maintenant, en termes de nourriture, on a tendance un petit peu à descendre, j'ai l'impression. Donc voilà, il faut absolument se consacrer à faire la suite ici. Hein. On va tout faire péter pour agrandir la ferme ici même. Continuer ici. D'ailleurs, je vais la faire. Comme ça, je n'ai pas oublié. Et ici, d'ailleurs. Hein. On libère des postes. Alors, on va demander la suppression ici du chemin. Voilà, TNT. J'espère que ça va peut-être être un peu loin là-bas. On va voir. Effectivement, c'est bien trop loin. Bon, on va remettre ici une route. Hein. J'ai vu un peu trop grand là. Toujours. Hein. Alors, moi comme ça, ça sera assez. Et comme ça, on va pas oublier pour la prochaine fois. Donc ça, c'est bien. Alors, nourriture, ouais, on stagne. Hein, on est plus ou moins bien à 10 000. Hein, il y a 33 000 d'eau. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils ont tout simplement... Voilà, totalement rempli. Pratiquement.
On est. Ils ont refait ici peut-être une, non? Il me semblait. Level pour Rocker et Ying, etc. Mais passez niveau 15 déjà, vous deux. GG, merci. Ça fait zizir. Ying, est-ce que tu es là, Ying? Apparemment, il n'est pas là. On va voir un petit peu lui où il travaille. Il est sans emploi. Pardon. Alors que je vois personne là sans emploi. Ah, pour le transport. Voilà. Pour le transport. Pour le transport. Il y a encore hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place en fait dans la colonie. Hein. Et c'est insane, hein, toute la place qu'il y a en termes de postes en fait. Hein, Bon, pour YouTube, je vais m'arrêter là, YouTube. Hop, on va sauvegarder. C'est quand même un bel épisode, quand même. Sauvegarde. Voilà. Hop. Pour YouTube, je vous dis à la prochaine YouTube. Et merci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous follow, que ce soit sur YouTube. Et en description, il y a le lien pour tout ce qui est le Discord, etc. Voilà, la chaîne Projet Départ, etc. J'ai mis le lien au cas où pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Voilà. Allez, ciao et merci.